chaton, ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on veut des câlins, on veut des câlins. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas mangé? Il dit ça, mais je l'ai nourri à 5 heures ce matin. Monsieur le chat, je veux toujours manger. Oui, bah, j'ai bien compris, oui. Oui. Alors qu'il est au régime. Allez, tiens. Toujours faim, ça, hein, ça a toujours faim. Bonjour à tous, on est mercredi 26, il est 10h09. J'ai dormi un peu plus ce matin parce que je travaille ce soir, donc j'ai dormi jusqu'à 8h30, je crois. Au lieu de 6h, c'est bien, non? Oui, oui, oui. Et comme vous avez pu le constater, des dégâts dans la cuisine, je m'attaque au ménage. Donc là, j'ai rangé la maison pour que l'aspirateur électronique Ashton travaille tout seul. Et je vais m'attaquer à la vaisselle, faut que je nettoie aussi le four. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, j'ai du linge aussi à ranger. Et parce que ce week-end, j'ai fait quelques machines, donc voilà. Il faut que je repasse et que je range. Voilà, j'ai rendez-vous à 14h à la clinique pour mon injection pour mon genou. Donc ensuite, lorsque je vais rentrer, je vais m'allonger avec de la glace et plus bouger. Voilà, il faut que je travaille ce soir et que je vais marcher. Je n'ai pas l'intention d'avoir mal comme la dernière fois. Et puis voilà, donc c'est pour ça, je vais travailler un peu ce matin. Tant pis, je ferai une sieste après-midi, c'est pas grave. Si j'y arrive, parce qu'avec les filles, je sais pas trop. Et Nola travaille cet après-midi, donc peut-être que Maëlie n'aura pas grand-chose à faire. Je sais pas ce qu'elle va faire. Un beau temps aujourd'hui. Nous avons le soleil. Il y a un petit peu de vent, là je vois que les arbres bougent, mais le ciel est dégagé, il est bleu. Donc c'est bien. Je vais vous montrer un petit peu mon avancée d'hier sur mon point de croix. Hop, j'enlève l'aiguille, ce sera pas plus joli. Je n'ai pas fait grand chose, mais il est très agréable à faire. Il est très facile à faire. Donc je ne sais pas si je vais le faire cet après-midi. Je vais voir, peut-être, étant donné que je serai allongée sur mon canapé, si je ne dors pas. Je vais m'occuper de ça. J'ai une dame qui m'a contactée pour des stickers, donc je vais voir si je peux lui faire quelque chose, que je lui envoie une image. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous laisse et je vais tout de suite faire mon ménage. A plus tard. Bon, il est 17h. Je suis rentrée à la maison, il était 16h, j'ai fait quelques courses. J'ai eu un malaise chez le médecin. Après, quand je suis en train de payer. En fait, c'est la note, ça m'a ouf, donc c'est pas vrai. Non, j'ai eu un petit malaise. En fait, en soi, c'est pas douloureux l'injection. C'est juste que j'ai trouvé que ma rotule était bloquée, alors pas du tout parce que je marchais, hein, voilà. Et je pense que je me suis fait un fil toute seule, voilà, tout va bien. Ensuite, bon ben tant pis, voilà, tout va bien, tout va très bien. Je suis restée allongée, j'ai mis de la glace, j'ai lu, on a avancé dans Buffy avec Maëlie. Voilà, alors j'ai fait une petite pochette hier. Et du coup, il me restait plus que le haut à finir, sauf que je viens de m'apercevoir que j'ai cousu ma fermeture éclair à l'envers dans mon truc quand je l'ai mis. Donc du coup, il faut que je refasse tout, sauf que moi, j'avais surjeté. Voilà, donc voilà, ça arrive hein, parfois de faire et de défaire. Parce que nous faisons des bêtises. Et donc, j'ai fait une bêtise, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas concentrée. Hein. Ma fermeture éclair me plaisait bien là où elle était, mais c'était pas le bon endroit. Bref, tant pis, c'est pas grave. Je vais le défaire pour mieux le refaire. Bah, elle sera finie demain, c'est pas grave. Je voulais la finir aujourd'hui. J'avais dans l'idée de faire un projet par jour, vous voyez? Bon, bah, l'idée était là, hein, mais... Et parfois, ça fait pas comme on veut. Demain, il faut absolument que je me lève pas trop tard parce que je voudrais aller à Lidl. Ils font la promotion des cônes pour la surjeteuse. J'en avais acheté il y a 2 ans quand ils vendaient justement la surjeteuse. Là, ils la revendent encore. Et j'avais fait le plein de cônes et de bobines aussi de fil. Parce qu'ils en font des assez grosses. Elles sont comme ça. Voilà, donc elles sont assez grosses. Voilà. Donc demain, il faut que je pense à faire ça. Et j'ai un colis envoyé pour de Mylène. Hein. Elle a fait une vente sur Vinted. Donc, il faut que je lui envoie son colis. Donc, il faut que je pense à préparer tout ça. Voilà.
Sinon, ben, pas grand chose. J'ai fait un petit peu de ménage aujourd'hui. J'ai passé la serpillière avant de partir chez le médecin. Là, j'ai fait un brin de vaisselle. Et j'ai préparé une machine. Alors, aujourd'hui, on est jeudi 27 octobre. Et il fait vraiment pas beau du tout par rapport à hier. Il pleut. Il fait gris. C'est vraiment très maussade. Regardez-moi ces nuages, je sais pas. Ah si, vous les voyez bien. Il y a du vent. Il ne fait pas si froid que ça quand même, mais alors il fait vraiment pas beau du tout. Ça donne pas envie d'aller travailler. Bonjour Lolo. Ah si. Il fait le beau. Tu fais le beau? T'as un moustique là. Tu fais le beau? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais le beau? Va chercher ton jouet. Il est où le jouet? Tu cherches? Cherche! Allez, va chercher le jouet. Il est où le jouet? Allez, cherche! Cherche! Il est où le jouet? Il y en avait un en face de lui, là, dans la terre, hein, mais je sais pas où il est parti faire le tour. Les petites poulettes, elles sont là. Ah! C'est le doudou, ça! C'est le doudou! Lonax, là! Et? Il me voit même pas. Non, Lonax! Assis, assis, assis. C'est bien. Et c'est qui a le doudou? Et c'est qui a le doudou? Oui, c'est Lolo qui a le doudou. Bon, je vous retrouve face caméra. Alors, je sais pas si ma caméra va lâcher, parce que ça fait toute la nuit à la charger et elle a que 51% de batterie. Hier, elle a flanché, c'est pareil, elle m'a coupé la chic. Pourtant, j'ai deux chargeurs de batterie qui sont pas mal là, mais je sais pas. Je sais pas si c'est pas ma caméra qui commence à déconner. Cette nuit, j'ai terminé l'or. Et ma foi, il était trop bien. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré suivre l'or dans ses aventures avec Castor. C'est Castor, hein. Cass, qui a récupéré les pouvoirs d'Hadès. Ouais, c'est Castor. Alors quand on le dit à voix haute, ça fait bizarre. Mais c'est vrai que quand on le lit, ça m'a pas troublé plus que ça. Et c'était vraiment trop bien. Voilà. Elle va faire un pacte avec Athéna pour pouvoir tuer Ir. Voilà, mais c'était vraiment trop bien. J'ai adoré. Voilà. Et je suis bien contente de l'avoir lu. C'est mon... Alors je crois que dans mon challenge des gros de Litabricas, c'est mon deuxième livre que j'ai lu. Ah non, c'est mon quatrième. C'est mon quatrième. Mais il faisait partie du challenge de septembre. Donc là, en octobre, je devais lire Sorcery of Stone. Donc je vais les lire. Ça sera mon prochain livre. Parce que là, concrètement, j'ai envie de lire de la sorcière. Donc, j'hésitais entre Sorcery of Stone. Mais je pense que je vais le prendre. Il est trop beau. J'ai lui. J'ai... Les sorcières, j'ai celui-ci, Sorcière malgré elle, voilà, c'est le livre L'héritière des Ravens, tome 1, j'en ai d'autres, ils sont cachés je ne sais pas où, ah oui, il y avait lui aussi, Vespertine, trop bien, et il m'en manque un, je l'ai caché où, là il n'est pas là, ah il est là. Et Sœur Sorcière, le tome 3. Voilà. J'ai 4 livres à lire pour une semaine. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais on va compter novembre dedans. Donc, je pense commencer par celui-ci. Voilà. Avec la magnifique, le magnifique objet livre que j'ai. Voilà, trop beau. Je vais commencer par celui-ci. Regardez-moi ça. Faudrait les laisser ouverts parfois, juste dans la bibliothèque comme ça, montrer et changer de livre de temps en temps. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, ça va pas s'inquiéter, c'est pas grave. Je termine mon vlog là, je suis à... rien du tout, j'ai fait 2 minutes sur 40, voilà. Ensuite, j'aimerais bien aller courir un peu, réparer ma bêtise d'hier, n'est-ce pas? Et je suis actuellement aussi en train de regarder les films de Noël sur TMC parce que ça y est, ça a démarré. Donc, et je suis bien contente, j'en ai regardé un à l'instant et je ne l'avais jamais vu. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais mettre mon appareil à charger parce que je ne sais pas ce qu'il est chargé. Et bien, je vous retrouve un peu plus tard.
Bon, il est 17h34, mon vlog est en train de s'enregistrer sur mon ordinateur. J'ai fait du pain perdu pour le goûter. Là, je pense que je vais aller me doucher et préparer le repas de ce soir, je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est l'éternelle question. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Je vais ouvrir le congélateur et je vais faire plouf plouf, parce que je ne sais pas. Allez, c'est parti. Mon kiki, c'est parti. Bonjour à tous, on est vendredi 28 octobre, il est 17h40, je vous reprends très tard, j'ai dormi jusqu'à presque 15h. Je suis assez contente, même si j'ai hyper mal à la tête et aux yeux. Ça me prend là, ici, là, c'est... J'ai eu mal toute la nuit. Mais à dormir que 3h, c'est pas beaucoup, hein. Voilà. J'ai commencé un petit peu cette nuit, Soft Story of Thorn. Même si j'aurais pu le lire un peu plus, mais j'avais tellement mal à la tête, j'ai pas pu. J'en suis qu'au chapitre 4. Et ça me fait 54 pages, exactement. Donc nous allons suivre Elisabeth, qui a été abandonnée à la naissance devant la bibliothèque. Donc c'est un monde de sorcières. Hein. La bibliothèque est un endroit où les gardiens gardent les grimoires. Voilà. Et les sorciers ont le droit de venir les consulter de temps en temps. Sauf qu'on ne mélange pas les sorciers avec les gardiens parce qu'ils sont méchants les sorciers. Voilà, ça c'est ce que Elisabeth a appris quand elle était jeune. Elle a 16 ans ou 17 ans et elle veut devenir gardienne. Sauf qu'on ne sait pas d'où elle vient. Voilà. Et là, elle a rencontré un sorcier qui est venu consulter un grimoire. Sa tutrice, voilà. Sa tutrice s'est fait agresser, là. C'est la nuit, sa tutrice s'est fait agresser. Un grimoire, en fait, s'est échappé. Quand les grimoires s'échappent, donc ils sont protégés dans la crypte, avec du sel dessous eux en fait, les grimoires peuvent se transformer en monstres grâce avec les sortilèges qu'ils ont à l'intérieur du grimoire. Voilà, suivant les sortilèges qu'il y a à l'intérieur. Ils se transforment en monstres et après, ils vont tuer les gens dans la ville, etc. Eux, ils sont là, les gardiens de la bibliothèque, ils sont là pour protéger les grimoires, donc ils sont dans une crypte, et ils mettent du sel pour que les grimoires soient ancrés dans l'endroit où on les a mis, un petit trou, quoi, voilà. Et là, elle se réveille en pleine nuit, il y a un grimoire qui s'est échappé, qui a tué sa tutrice, et donc elle part dans la forêt, dans l'intention de tuer ce grimoire, ce monstre maintenant, afin qu'il ne rentre pas dans le village, le petit village qui est à côté. Voilà, j'en suis là, c'est très bien, j'aime beaucoup. Sinon, je reviens des courses avec Maëly, ce soir c'est soirée pizza, voilà, c'était pas compliqué. Je suis en train de préparer la miniature pour mon vlog et après le mettre... Alors il est déjà en train de s'uploader sur YouTube, je prépare la miniature et puis les petites choses qu'il faut faire et puis voilà. Et c'est tout. Je voulais coudre, mais j'ai trop mal à la tête. À 18h, il faut que je parte pour aller... sur rien. Déposer des colis. Je suis en train de boire dans ma tasse Canada, que mon petit frère Elvis m'a laissé avant de partir au Canada. Voilà. Je me suis fait un petit cappuccino. Oui, donc j'ai des colis à déposer. Et voilà. Là, je vais checker un peu mes mails. Voir où j'en suis. Et puis c'est tout, je suis naze, je vais peut-être lire un petit peu ce soir, j'espère, je voulais broder, je sais pas trop. J'aimerais un petit peu avancer quand même dans mon Hocus Pocus parce que j'ai pas fini. Et Halloween c'est lundi, j'aurais aimé terminer pour Halloween, ça aurait été sympa. Parce qu'on va décorer ce week-end, la maison, les filles vont faire ça. Donc voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vous retrouve peut-être plus tard, sinon demain. Allez, je vous reprends en cuisine, je vais faire une blanquette de dinde avec Thermomix. Et je vais faire mon apple pie, voilà, parce que j'ai tous les ingrédients maintenant, c'est parti, on va le faire.
ingrédients pour faire mon apple pie. C'est parti. Ça y est, les enfants ont décoré la maison. On a fait plus un peu mon meuble, hein, quand même. Voilà, donc j'ai gardé mes petites citrouilles. Hein. Là, j'ai mis mon torchon de sorcière. Bon, je vous fais part des bruits. Hein, je ne les mets pas, hein, parce qu'ils font tous des bruits. J'ai gardé mon tableau aussi. Voilà, lui c'est pareil, quand on veut manger un bonbon, il nous attrape, là, il fait du bruit. Voilà. Et après, ils en ont mis un peu partout. Elle en a mis en haut là. Maëlie en a mis là aussi. Donc voilà. Sans oublier le tapis d'Halloween.
Bon, allez, il est 23h. J'allais me coucher. J'ai un petit peu avancé mon point de croix. Je suis assez contente. Voilà. Il avance bien. Je pense pas l'avoir terminé pour demain. C'est pas grave. Je vais essayer de le finir moi pour le mois de novembre. Ça serait bien. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.